attention. Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face, don't let these bones slow you down. Salut les bandits. Vous vous demandez sûrement, qu'est-ce qu'on fait dans cette salle de bain? On va commencer cette vidéo un peu spéciale, parce qu'en fait, je vais me raser, j'en ai marre. J'en ai marre et puis j'ai envie de faire ça bien. Du coup, on va faire une petite connerie avec Charlotte, Jean-Philippe et tout. Je vais raser que un côté. Hop! Et on va voir comment ils réagissent. Donc c'est parti, là, il faut utiliser les grands moyens. Attention, tondeuse. Tondeuse. C'est parti, on y va. Je vais essayer de faire ça bien. Plein milieu comme ça. Hop. In the driving rain, found John's out hitting on the liquor again. It wasn't too late, about 10:30, when he let loose what the cat dragged in. It was a Sunday. And then morning came and morning when he tried to make me pay the rent. Said, I ain't got no money for you, can I pay my way with these dancing feet? Alors, vous préférez quoi? J'ai toujours rêvé de faire ça. Regardez. Ça ou ça? C'est sûr. Oh, la tête. C'est qui? Some time in a backwoods town, ain't nothing to do, cause there are nothing around. Deputy sheriff ran around the block, but the streets are empty and the doors are locked. Got pretty lonely. There came rain my bell, told me a little about heaven and a lot about hell. Said I ain't got no money for you, can I pay my way with these dancing shoes? Thought I was kidding. Je me suis acheté ce petit rasoir là, cette marque là. Je l'ai acheté, je crois, Darty. Et je voulais vraiment pas mettre cher. J'ai dit, ah, c'est juste pour faire, vous savez, la barbe et tout, les contours. Il dit, je veux pas mettre cher parce qu'après c'est bon, on se prend la tête et on prend des trucs super chers et puis voilà quoi. Et là j'ai pas mis cher et il fonctionne super bien. Il met une pile à tous les rasoirs à 200 ou 300 balles. Regardez, vous avez vu, c'est nickel. Ça, je vais le garder, je crois, en fait, partout où vous le passez. Vous êtes n'importe où, vous pouvez vous servir de ce petit rasoir quoi. Franchement, c'est top. Oh, comme quoi, des fois, faut pas s'embêter à les mettre cher dans des trucs. Parce que là. Super bien. Et il rase de près et tout, franchement c'est nickel. Voilà. C'est fini. Alors il y en a plein qui me disaient, oui Jérémy, faut que tu rases. Non Jérémy, faut que tu gardes ta barbe. Ben voilà, pour faire plaisir à tout le monde, j'ai décidé de faire ça. Comme ça, ça vous va, il n'y a pas de jaloux. 50-50. Voilà, tout le monde est content. Les gens qui voulaient que je garde la barbe. Eh ben, ils auront qu'à me regarder de ce côté-là. Les gens qui voulaient que je me rase, ils me regardent de ce côté-là. Et comme ça, tout le monde est content. Par contre, je pourrais plus vous regarder dans les yeux, c'est le problème. Et ouais. Je crois qu'elle arrive. Attends, on va rentrer, attends. Tu rentres pas, hein.
Attends, quand je te dis tu rentres, ne rentre pas. Ne rentre pas. Vas-y, rentre. Tu m'aides à couper derrière. On va faire une blague à Jean-Philippe. Tu t'es coupé du mauvais côté. Pourquoi ? C'est ce côté-là que tu coupes. Pourquoi ? Mais sur l'écran, ça va faire... Peu importe. T'as eu peur, hein ? Mais non, c'est pas encore fait. Attends, faut que je me prépare, moi. Tu me fais comme ça, vite. Faut que ce soit la surprise. Parce que derrière, regarde, derrière. Hein ? Faut que tu m'aides. Bah, c'est à classe. Non, j'ai pas bien fait droit derrière. Non. Alors, tu préfères quoi ? Qu'est-ce que tu préfères ? Les deux, je les kiffe. Tu préfères quand je te fais un biscuit au sein ? Je suis en train de filmer, tu fais ta toilette. Bah, c'est normal, attends, c'est mon truc du matin. Attends. Tu fais ta toilette, j'ai le droit. Alors tu préfères quoi ? Faudra que tu fasses autre chose pour jouer. Oh. Jeune, j'adore, je kiffe. Ah, je retrouve le petit Jérémy là. Oh oui, j'ai l'impression d'avoir 20 ans. Ah. Allez, on va voir Jean-Philippe. Waouh, il est super beau ton coloriage, Julia. Il est trop chouette. De quoi ? Pourquoi ? Tu préfères quel côté ? Comme ça ? Comme ça ? Ah, trop tard, c'est coupé. Un bisou là ? Et là ? C'est mieux quoi ? C'est joli aussi, regarde, c'est tout doux, touche, c'est tout doux. Ah, c'est bien mon amour, il a fini son kiwi. T'as fini ton kiwi ? C'est bien. Tu montres à papa ? Fais voir à papa. Regarde, c'est ma papa ici. Qu'est-ce qu'il a fait, papa ? Tu as mangé tout ton kiwi. Ouais, tu préfères ça, Lucas ? Regarde. Tu préfères ça ou tu préfères ça ? Là ? Ah bah Lucas, il préfère là, lui. Tu lui fais un bisou ici, comme c'est tout doux ? Bah ça fait peur, c'est bizarre. Regardez là. J'avoue, ça fait trop bizarre. Allez, on va aller voir les grands. Faut que je me filme comment ? Comme ça ? Non. Comme ça. Faut que je marche comme ça. Ok, ouais, mais il va dire, il marche en crabe, c'est bizarre. Bah oui, mais comme tu fais tout le temps con. Oh, il y a du vent. On dirait qu'il est dans son camion. Non ? Faut que j'aille regarder. On va essayer de marcher en crabe. Non, faut pas de l'autre côté. Ouais, bah non, c'est bon. Hey ! Oh là là, ça va, Tisotte ? Alors, quoi de beau ? Bah quand même. Tu te prépares pour la semaine prochaine ? Hein ? Tu te prépares pour la semaine prochaine ? Ouais. C'est bon, bien. Matin, j'ai bossé un peu, j'ai déjà préparé les platines, tout est en place et puis les séries. Ok, c'est cool. J'ai vu, j'en ai en haut. Il a vu ça ce matin, j'ai crois pas. Et qu'est-ce que tu fais avec ma casquette de jeune, toi ? Ouais, j'arrive pas à faire le truc, là. Le casque. Alors, tu préfères quel côté ? Ah, il va te donner ses poux. Franchement,
Je sais pas. j'ai l'impression de voir Mika d'un côté et j'avais lui de l'autre. Ouais, parce que t'as vu, ça fait une crête. Je te jure. On a vraiment une... On ressemble à rien, en fait. Tu peux rigoler normalement. Bah, en fait, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Sauf que, oui, c'est vrai, son visage, quand il rigole, il y a un côté déformé. Joyeux et l'autre côté... Ouais. Ah ouais. Ouais, quand tu rigoles, on a l'impression que t'es tout déformé. Mais ouais, ça faisait ça quand j'avais la barbe, c'est la barbe qui est déformée. C'est la barbe. Mais non, ça a tiré sur la bouche comme ça vers le blanc. C'est ça. Bon, bah c'est cool, ça, on va finir de bricoler. Il y a du vent hein, aujourd'hui. Hein. Ouais, par contre, c'est dingue. Ouais, c'est ouf. Bah, là, il fait froid, j'avoue, là, il fait froid de ce côté-là. Ouais, bah tu vois, c'est pour ça que j'ai mis la casquette. Oh, yong yong. On yong. Va se battre pour la casquette aujourd'hui. Je vais ressortir ma bonnet, Mia. Bah ouais. Non, non, nous, on va passer dans l'émission Striptease, tu vois. Oh putain. Génération voilà. 2. Ouais, génération 2. Les acolytes, bien trouvé. C'est une bouteille de vin? C'est un brasseur? Bah, c'est un vigneron. Non, mais c'est un vigneron, je veux dire. Il embrasse pas mal. C'est marrant le jeu de mots pour pas dire les alcooliques. Bah, les acolytes. Ah, les acolytes. Tu te seras reposé cette semaine. J'ai deux chats cette semaine. Moi, j'ai une chatte. Non, chacha. Ouais, chacha. Non. Non, je ne t'appartiens pas. Ah non, ça, c'est je parlais pas de toi. Elle s'est prise pour le centre du monde. C'est ça. Allez, c'est parti au boulot. Parce que c'est pas tout ça, mais il faut qu'on bosse. Il faut qu'on bosse. Oui, je sais, ça vous perturbe. Vous avez qu'à me regarder comme ça. Ou comme ça. Hein? Bon, c'est pas tout ça, mais on a un peu travaillé quand même, en fait, hier. Hein. On commence la vidéo aujourd'hui avec ça. Le palan, ça y est, il est monté, regardez. Voilà, il reste plus qu'à peindre. Et là, on a un sale temps. Ils annoncent du vent, de l'eau. Donc, on a vraiment eu de la chance de pouvoir le fabriquer avec le beau temps. Et il reste surtout à fixer les vis là-bas, à visser les vis et à mettre du mastic pour éviter que l'eau rentre si jamais il pleut. Et mettre un petit coup de peinture. Mais là, avec ce temps-là, je ne sais pas si on pourra mettre un petit coup de peinture. Voilà. Alors je vous montre, présentation. Voilà, bon, ça c'est un palan qu'on a mis en attendant. Il y aura un treuil électrique ici qui sera repris dans les crochets avec des poulies et qui permettra de venir chercher les roues de secours ou la moto ici. Voilà, peu importe. Et pour venir la monter sur le porte-moto. Voilà, et je peux vous dire que c'est du costaud. Hein. Je peux vous dire que c'est du costaud. Hein. Ah, c'est excellent. Youhou. Wow. J'ai pas l'impression que c'est moins lourd aujourd'hui de commencer. Hein? Voilà, donc franchement, c'est super costaud, vous avez vu. 65 kg de muscles qui montent dessus. Franchement, c'est nickel. Alors, vous préférez quoi? Hein? Je préfère le noir. Ouais, parce que t'as pas l'habitude, regarde. Oh. Et toi? Celui-là aussi. Oh non, c'est nul, je sais même pas du tout pourquoi t'as fait ça. Pour rigoler? Ouais, bah ta blague elle est nulle. C'est des cheveux, ça repousse, hein? Ouais, bah eux ils vont faire 3 mètres, eux ils vont faire 200 mètres. Bah non, mais je vais tout raser, je vais pas rester comme ça non plus, quoique. Ça donne un style. Ouais. Tu vas au magasin? Tu vas au magasin? Là, il y a quelqu'un qui te regarde du côté blanc. Et là, tu tournes. Et là, côté noir. Ah! Voilà ce que ça donne. C'est excellent. C'est facile à mettre en œuvre. Et là, le palan, il n'a rien senti. Hein. Il n'a rien senti du tout. Hein. Ah putain, c'est trop bien. C'est excellent. Et bien entendu, on aura une nouvelle barre anti-encastrement qui sera qui arrivera jusqu'ici. Donc on a le droit à 40 cm en dessous. Et cette barre, elle pourra aussi se télescoper pour aller en dessous plus en dessous le camion si jamais on roule sans le porte-moto. Voilà. Et normalement on est bon. Même au niveau du porte-à-faux maxi sur le barré rouge,
Et là, on est à 5 cm. Voilà. Allez, on va essayer de monter quelque chose de très important quand on sera sur la route. Et on va voir si le palan fonctionne bien. Encore une fois, c'est un palan provisoire. Ensuite, ce sera un treuil électrique avec un câble. Voilà, allez, go, test. C'est lourd! C'est lourd! Oh putain! Là tu joues, tu sais. J'ai pas prévu la sangle, merde. Là. Tu la tiens? Tu jouais avec des pneus de vélo quand t'étais à l'école ou pas? Moi j'ai connu ça aussi. Hein. Ça, tu verrais plus ça maintenant en tout cas. Hein. Des pneus de vélo. Chose très importante, pouvoir changer de route secours. La charger, la décharger en toute facilité, si on peut dire ça comme ça, mon cher Jean-Philippe. Hein? Surtout quand on n'est pas les pieds dans la merde pour l'instant. Il y a combien de poids là, tu penses? Il y a hein? Quoi, ça, 90. 90 kilos? Ouais. Et alors, ça plie? Donc là, il y a 150 kilos. Là, il y a 150 kilos. Vas-y, viens, monte, toi. Attends, toi, moi, plus la roue, ça fait combien? Vas-y, bah, vas-y, 80 plus 90, ça fait 180. 90, 90, attends, attends, monte avec moi. 90 kilos plus 60. Attends, on a dit 5, 240 kilos, là. Ouais. Allez, ma poule, elle est là sur l'autre. Là. Allez, on y est. Et alors? On descend ou on monte, là? Oh, oh, attention, oh. On est parti où là? Et là, ça va finir sur YouPorn ces conneries là. Attends, il se suit. Sans carrière, attends, attends, qu'on reprenne les comptes. 80 et toi tu fais combien? Allez, on va à 80. Déjà les roues, vous faites quasiment le même 90. Poids. 90 et 80. 180. Ça 170. Ça fait 180. 180 kilos. Bah t'as dit 90 et 180, ça fait pas 180. 170 en tout. 170 plus 60, 230. C'est ça? Voilà. 230 kilos. Monte sur la jante comme ça debout. Je sais pas si je peux arriver. Si, vas-y. À debout et en même temps. Ah vas-y. Ouais, d'accord, tu veux monter en même temps. C'est combien ton palan? Une tonne. Une tonne. C'est là que la vis, elle tient mal au bout. Oh, regarde. Ouais, je suis super, super content. Bon boulot. Dès qu'il fera un peu meilleur, on pourra faire la peinture anti-rouille dessus. En tout cas, tout là-haut, c'est jointé, c'est pas en anti-rouille et protégé au cas où il pleut. Mais là, ils annoncent pas de pluie. Par contre, ils annoncent du vent encore une semaine. Donc, bah, du coup, comme ils annoncent du froid et du vent, je vais pouvoir me mettre à l'intérieur pour bricoler tout ce qui reste à bricoler. Voilà, ok? Allez. On se retrouve demain, nous on va aller se rentrer, prendre un petit goûter parce que là on a bien bossé. Et puis maintenant que ce projet là il est fini et qu'il fait pas beau et qu'il fait froid, eh ben on va aller se rentrer au chaud, prendre un petit peu de bon temps. Voilà, allez, je vous dis à demain, bye bye. And then it's time to make that morning drive. Bonjour à tous, moi je suis petit frère Jérémy. Et il va être absent pendant un petit moment, il a des trucs à faire.
Non, c'est pas vrai, c'est moi. Bande de fous, vous y avez cru, hein. Voilà, ça y est, j'ai rasé. J'ai tout rasé. J'ai gagné 10 ans, environ 10 ans, et j'ai gagné surtout beaucoup de confort. Me sens mieux. Par contre, ça caille. Oh là là. Comme au bon vieux temps, la boule à zéro. Voilà. Le petit bonnet. Et là, je me sens bien. Voilà. Bon alors qu'on vous explique, qu'est-ce qu'on fait dans le garage? On est en train de se fabriquer des tasseaux. Alors on avait plusieurs solutions. J'avais du bois marron, mais je faisais 15 mm. Donc si j'en découpais deux, ça me faisait 30 mm. Après il fallait que je rajoute deux petites planchettes de 5 mm en contreplaqué. Ça me faisait mon tasseau de 40 mm. Mais ça me faisait 1, 2, 3, 4 planches. 4 petits morceaux pour faire un seul tasseau. Et c'était assez complexe, il y avait beaucoup de découpes à faire, sachant que j'avais pas de grande plaque de grande longueur. Et puis là, je regarde dans l'armoire, il me restait ça, contreplaqué-marin.com, ils m'ont offert ça en échantillon. Vous savez, c'est des plaques de fibres de verre alvéolées. Et comme par hasard, avec la chance qu'on a, je regarde et elles font 20 mm. Et nous, il nous fallait des tasseaux de 40 parce que le terrain dur, il fait 40. Donc on a décidé d'en découper. Donc voilà, là vous avez un tasseau qui comprend bien sûr deux morceaux de fibres de verre alvéolées. Donc ils vont être vissés comme ça sur le mur avec les vis comme ça. Clac, vissés collés à la PU. Et comme ça j'ai mes tasseaux. Et au moins ils sont tous parfaits, j'ai pas d'irrégularité comme avec le bois qu'on avait. Donc l'arrière du camion sera fait avec des tasseaux en fibres de verre. C'est la chambre des enfants donc... Ça rigole plus, ça rigole plus. C'est la chambre des enfants, donc c'est pas encore. Il n'y aura pas de pression tout le temps. En fait. Non, mais ça se verra pas, mais ça se trouve, ça sera aussi costaud qu'un tasseau. Ouais, ça sera aussi costaud qu'un tasseau. Vous voyez, c'est alvéolé, j'espère que vous voyez bien là. Normalement, j'ai zoomé. Hop, vous voyez ce que ça donne. Et bah voilà, maintenant, on en a découpé une petite dizaine. On va pouvoir aller les installer dans le camion, comme ça, on pourra installer la plaque par terre, les plaques sur les murs. On pourra tout installer, voilà. On va finir tout derrière, quoi. Il y a eu pas mal de réflexions ce matin encore, à se dire comment je fais, faut faire au plus léger, au plus simple. Et j'avoue, et c'était avec ce qu'on a, galère. Surtout. Avec ce qu'on a. Il nous reste 10 cartouches de colle. On avait dévalisé Action, je me souviens. On en avait quoi, une trentaine? Ouais, heureusement. Une trentaine, et là, il nous en reste... en PU, il en reste 5-6, et j'avais des autres cartouches d'avant, de la colle bâtiment, tout ça qui pourra servir aussi. On est en train de faire les fonds de tiroir. Là, c'est un truc de dingue, on fait les fonds de tiroir. Voilà, donc il me reste ça à finir, je colle le plafond, je fais les côtés, le plafond, et ensuite j'aimerais finir le plancher. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, heureusement contreplaqué-marin.com, ils m'ont offert des plaques
de fibre de verre en nid d'abeille qui fait 2 cm d'épaisseur parce que ça m'a bien servi et limite j'aurais pu tout faire comme ça, c'est génial. C'est génial parce qu'en plus c'est léger, c'est isolant et ils sont tout le temps pareils. Le bois, des fois il fait 4, des fois il fait 38. Donc on a des petites irrégularités. Voilà, regardez à quoi ça ressemble. C'est vraiment pour ça qu'on dit du nid d'abeille en fait. Hein. Allez, je l'ai découpé en sa tranche. Voilà. Ça fait vraiment du nid d'abeille. C'est hyper costaud. Franchement, c'est top. Voilà. Et bien sur ce, ça va être tout pour aujourd'hui. Heureusement que je peux bricoler à l'intérieur parce que dehors, il fait vraiment un temps de chien. Et voilà, on va se retrouver là, on va se retrouver jeudi pour une prochaine vidéo. Normalement, tout ça, ça sera fini. Et on pourra peut-être installer les éléments de cuisine. J'aurais bien aimé poser le balatome avant, mais on va pas trouver de balatome. On va pas pouvoir avoir de balatome. Donc on va voir, on va réfléchir à tout ça, mais sinon il faut que je fasse mes réserves d'eau. Les jumelages. Au pire des cas, on fera ça. Voilà, donc là je sais pas trop encore. On verra tout ça jeudi. Sur ce, prenez soin de vous. Et voilà, je suis avec ma nouvelle tête, ça fait du bien, en tout cas je me sens mieux, et ça fait froid, je peux vous dire que ça fait froid. Voilà, ah, c'est pas comme si ça repoussait plus quoi, voilà. Mais j'aurais pu faire pire, hein. J'aurais pu laisser juste une moustache, si vous voyez ce que je veux dire. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, on arrive bientôt aux 10 000, on va pouvoir faire des swipes, ouais, trop génial. Depuis le temps qu'on en rêve, c'est 10 000 abonnés sur Instagram, depuis le temps qu'on en rêve. Et bien encore quelques centaines d'abonnés et c'est bon, on sera bientôt à 10 000 sur Instagram et ça, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à nous rejoindre récemment, suite aux travaux du camion. Et ben voilà, je voulais vous souhaiter à tous les nouveaux la bienvenue qui sont arrivés là cette semaine, la semaine dernière, il y a un mois. Parce qu'on a eu un gros pic d'abonnés, de bandits, depuis qu'on a acheté le camion, depuis un mois et demi environ. Et voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue. Et on est parti pour une chouette aventure, c'est pas prêt de s'arrêter. Et ça risquerait d'envoyer du lourd quand on va commencer à être sur la route. Voilà. Et puis encore une fois, un grand merci à tous les autres, tous les bandits qui nous suivent depuis le début. Parce qu'il y en a qui nous suivent depuis le début et qui ne ratent jamais une vidéo. Donc voilà, un grand merci à vous. On est super content que vous fassiez partie de la bande. Ça fait vraiment plaisir. C'est une chouette aventure tout ça pour nous, comme pour vous. Et que dire de plus? À bientôt. Bye bye.